Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super content de faire parce qu'aujourd'hui on est le 27 avril en tout cas quand je fais cette vidéo et aujourd'hui le 27 avril c'est l'anniversaire de Lily Rose pour ceux qui ne le savent pas. Donc regardez ce qu'on a préparé, on a invité 10 ou 12 amis de Lily Rose, je sais plus. Donc on a fait une petite déco d'anniversaire, on a même préparé le trampoline, regardez. Avec des ballons joyeux anniversaire, on a mis la maison en mode pyjama party aujourd'hui, on a rempli le trampoline de ballons, etc. Et aujourd'hui, exceptionnellement, regardez-moi ça, il y a Mama Pink qui est avec nous. Hello. Quelle énergie. Et Peppa Pink, évidemment, ça vous avez l'habitude. Donc on va aller voir Lily Rose parce qu'elle nous a préparé plein d'activités, plein de choses pour son anniversaire. Elle va vous montrer tous les copains qu'elle a invités. Parce que là ils sont censés arriver dans 10 minutes, donc ne vous inquiétez pas, on va tous vous les montrer. Et en plus de ça, il y aura l'ouverture des cadeaux, ça risque d'être exceptionnel. Regardez, elle est là. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gêné là en fait. Non, on chante. C'est ton anniversaire à Donf avec les frères. Ça c'est toi qui le chante en plus. Non. Elle est un peu gênée parce que là, elle est un peu stressée. Parce qu'il y a plein de ses amis du collège qui sont censés venir. Moi, je les connais pas encore. Il y en a deux, trois que je connais. Et regardez-moi ça. Alors ça, on lui a donné dès qu'elle est arrivée dans la maison. Sauf que pour l'instant, elle a pas le droit de les ouvrir. Et je suppose qu'il y en aura encore plein d'autres parce que ses amis vont venir avec des nouveaux cadeaux. Alors, à ton avis, c'est quoi? Vas-y. Allez, les pronostics. Je pense que c'est une machine à coudre. Une machine à coudre. Et ça, je pense que c'est un vinyle. Le vinyle que je voulais. Ah, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, mais toi, tu fais de la couture. Oui. Tu fais de la couture? Oui. Tu fabriques des vêtements? Oui. Ah, carrément. Bon, là, on va pas trop l'embêter parce qu'elle est un peu stressée. Mais on se retrouve tout de suite pour accueillir les très nombreux invités que vous allez découvrir en vidéo. Oui. Bon, là les amis, je prends la caméra discrètement. Je me suis mis au sous-sol là parce que j'ai quelque chose d'ultra important à vous dire. Je pensais reprendre la vidéo quand les invités arrivent parce qu'ils sont tous censés arriver en même temps. On leur a tous dit rendez-vous à 16h pour le goûter d'anniversaire de Lily Rose. Sauf que là, ça fait une heure que quasiment tous les parents sont en train d'annuler un par un. Là, il y a 12 personnes qui étaient censées venir. Vous avez vu, on a mis plein de chaises, etc. On a tout prévu dans notre salon. Il y a des gens de notre famille qui sont censés venir aussi, il y a notre cousine, il y a Clara que vous connaissez, il y a le cousin relou qui est censé venir, il y a Jérémy, tout ça. Sauf que là, tous les amis de Lily Rose sont en train d'annuler. Là, je vais vous dire, donc il y avait Antoine, Célestin, il y avait Inès, il y avait Mehdi, enfin bref, il y a plein de gens qui étaient censés venir et ils m'ont tous annulé. Un par un, les parents me disent « Ah, finalement, on peut pas venir. Lily Rose, finalement, on sait pas trop qui c'est. On veut pas qu'ils viennent à l'anniversaire, tout ça. » Et du coup, là, il y a que deux personnes encore de son collège qui veulent venir. Mais j'espère qu'ils vont pas annuler au dernier moment. Là, il faut que je prévienne Lily Rose, mais j'ai peur qu'elle pleure énormément. C'est pour ça que je vais filmer. Je vais vous filmer sa réaction. Mais bon, j'ai assez peur de ce qui va se passer. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous, vous seriez venu à l'anniversaire de Lily Rose. Parce que bah, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de très bizarre. Enfin, je vais quand même prévenir Peppa Pink et Mama Pink. On a un problème. On a un problème. Ils ont quasiment tous annulé. Et pourquoi? Mais je sais pas, ils veulent plus venir à l'anniversaire de Lily Rose. Il y a tout. Non mais ils rigolent pas avec. Non mais encore. Quand on va annoncer ça à Lily Rose, elle va pleurer, c'est sûr. Ils veulent pas venir. Et pourquoi? Je sais pas, ils disent, c'est les parents qui m'appellent. On connaît pas bien Lily Rose, on peut pas venir, finalement on n'est plus là, tout ça, plein d'excuses différentes. C'est pas grave, hein. Mais si, c'est grave, regarde tout ce qu'on a préparé. C'est pas grave, ce sera tout pour nous. Ce sera tout pour nous, non mais vous rendez pas compte. Bon, je vais aller voir Lily Rose, je vais lui annoncer ça. J'ai une idée, non mais toi, viens, non mais on peut pas les appeler, c'est eux qui nous ont appelés. Bon, les amis, on va aller voir Lily Rose, j'espère qu'elle va tenir le choc là quand même, surtout le jour de son anniversaire. Ça craint vraiment. Bon, Lily Rose. Oui. Bon, lève-toi, là, j'ai quelque chose à t'annoncer de... Ça va pas te faire plaisir. Quoi? Tu vois Mehdi, Inès, ouais. Célestin, Antoine. Ouais. Arthur. Non, mais Arthur, juste... Enfin, bref. Quoi? Ils m'ont appelé, enfin, ses parents m'ont appelé. Mmh. Ils annulent. Ils peuvent... Très, très drôle, la blague. Non, mais c'est pas une blague, Lily Rose. C'est
Si tu veux, je peux te montrer les messages, vraiment, c'est catastrophique. Sérieux? Ils ont tous annulé un par un, ça fait une heure que les parents m'appellent. Et ils annulent un par un, là, il y a que deux personnes de ta classe qui peuvent venir finalement. Pourquoi? Et encore, ils peuvent venir, ils vont pas valider. Attends, j'ai une idée, c'est peut-être un prank qu'ils ont organisé pour faire. Non, mais je pense pas que ça soit un prank, hein. Vraiment, ils avaient l'air sérieux ouais, et tout. Je pense pas, hein. Attends, justement. C'est qui? C'est les parents d'Arthur. Attends. Allô? Oui? Oui, oui, c'est bien Esteban, le grand frère de Lily Rose. Comment ça, mais... Mais vous deviez... Allô, oui? Non, mais ça devait être maintenant, vous annulez vraiment à la dernière minute, comme ça? Bon, c'est pas grave. D'accord. Bon, Lily Rose, apparemment, les parents d'Arthur me disent que Arthur doit aller d'urgence voir sa grand-mère parce que c'est son anniversaire aussi. Tu trouves ça bizarre que tous en même temps, ils annulent, mais tous en même temps. Lily Rose, t'es sûr que tu leur as rien fait? Mais je leur ai rien fait du tout, à chaque fois c'est comme ça tous les ans. Bah, c'est vrai que là, c'est souvent comme ça. J'ai jamais passé un seul anniversaire avec mes amis. Bon, au moins, on t'a offert des cadeaux, tu vas pouvoir les déballer. Et il y a au moins le cousin relou et... Génial. Et notre demi-sœur et Clara qui viennent. Génial. T'es pas contente? Ils vont tous venir, c'est un prank. Au dernier moment, ils vont tous sonner. Ils devraient commencer à arriver maintenant, là. Non, mais d'ici... Bon. Attends, je vais... Lily Rose, il y a encore... Ah bah non, j'allais dire, il y a encore un de tes amis qui a pas annulé, mais... Ah non, bah, finalement... Ah non, bah, je suis désolé de te dire ça, mais il y a César qui peut pas venir. César? De toute façon, je l'aimais pas, lui. Mais comment ça? Bah tu l'as invité quand même. Bah c'était on sait jamais s'il y a personne. Bon écoutez les amis, on va attendre un petit peu. Ça tombe comme Peppa Pig dit, c'est un prank. Même si j'y crois pas trop parce qu'ils m'ont tous annulé comme ça au fur et à mesure. Mais bon, on va bien voir si Clara vient, si le cousin relou, etc. viennent. Ça c'est un cadeau qui fait du bruit ça. Et vous c'est quoi? Bon ok, bon les amis, à tout de suite, on va voir s'ils viennent finalement. Oh Lily, elle est triste. Mais t'inquiète pas, moi je suis David, c'est un prank. Bon, maintenant il est 17h, ça fait une heure que tout le monde était censé être arrivé. Ouais. Voilà, comme vous voyez, bah rien n'a bougé ici. Il y a toujours personne. Donc ça veut dire qu'ils ont tous annulé. Et même notre famille, même Clara, même le cousin relou, Jérémy, tout ça, personne n'est venu. J'ai aucune nouvelle pour l'instant. Donc soit ils vont arriver en retard, soit ils viennent pas. Tu penses qu'ils vont pas venir? Non. Mais qu'est-ce que t'as fait aux gens pour qu'ils viennent pas comme ça? Bah, je sais pas, je leur ai rien fait, je t'as pense fait, même t'as pas. T'as pas fait des pranks à l'école, tout ça? Non. Parce rien. Qu'ils ont vraiment tous utilisé des excuses. Ça se voyait qu'ils étaient disponibles. Bon, pas personne n'est là. On fait quoi? On annule? Bah non, on va le faire ensemble. On le fait ensemble? Les cadeaux qui sont là. Ouais, bah c'est vrai, au moins t'es contente, t'as quelques cadeaux quand même? Oui. Bon, allez. Les amis, bah là je sais pas quoi faire, hein. Je sais pas quoi faire de toutes ces assiettes. On va débarrasser et on va espérer qu'il n'y ait pas trop de gaspillage. Ouais. Bon allez viens, on va quand même ouvrir tes cadeaux Lily Rose, comme ça vous allez voir ce que c'est. Les cadeaux. J'espère au moins que les cadeaux sont pas partis et qu'ils vont pas annuler. Parce que sinon ça serait vraiment une catastrophe. Allez, ça au moins il nous les reste, les cadeaux. C'est ton anniversaire. À donc avec les frères, ouais, le c'est ton birthday. Le tous plus ensemble grand. Pour le frater. Le plus grand. Attends, Lyros, j'ai une idée. Oui. On fait une vidéo exprès pour les cadeaux. Ok. Ok. Bon, les amis, on va pas faire durer trop longtemps cette vidéo. On va faire une vidéo exprès sur ces cadeaux d'anniversaire. Si vous avez aimé celle-là, n'hésitez pas à mettre un like et surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît pour une vidéo un peu plus joyeuse ou qui fait un peu peur. Voilà. Ça dépend ce qui apparaît sur votre écran. Allez, à plus et bon anniversaire quand même.